Alors que tu viens de résoudre le problème des paquets de chips pour le roi et Arbègle, un oiseau magique arrive, qui est l'oiseau domestique en fait du roi. Il arrive et se pose sur son épaule et lui commence à lui murmurer des choses à l'oreille. T'es très curieux et tu demandes au roi, mais de quoi vous parle-t-il? Le roi répond, eh bien, mon oiseau me dit qu'il connaît une autre méthode pour résoudre ce même problème. Tu es un peu surpris, tu te sens humilié et curieux à la fois parce que tu n'as jamais entendu parler d'une autre méthode. Et donc, tu proposes au roi qu'il nous la montre, sa méthode, qu'il résolve le problème à notre place. Moi, je ne connais que la méthode par élimination. Peut-être que l'oiseau connaît une autre méthode. Et effectivement, l'oiseau parle d'une méthode qui s'appelle la méthode par substitution. Et il commence à expliquer au roi comment résoudre le problème. Et le roi se propose évidemment de traduire pour tout le monde, car l'oiseau n'a pas de main et ne peut pas utiliser l'apprêt au tableau. Donc voilà ce que l'oiseau dit au roi. Il propose la méthode par substitution. Et il s'agit d'écrire d'abord une inconnue en fonction d'une autre. Par exemple, H en fonction de F, ce qui permettra de remplacer H par une expression où il n'y a que F dans l'autre équation, et ce qui permettra d'avoir une équation avec une seule inconnue. Bon, ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais tu vas voir, c'est très très simple. Donc, il propose de réécrire l'équation L2 en ayant à la fin H en fonction de f, c'est-à-dire écrire h est égal à quelque chose où il y a f. Donc toutes les étapes que nous allons écrire à présent seront des tentatives d'isoler cette inconnue h. Donc allons-y. D'abord, on va soustraire 400 f de chaque côté. Ok, donc ça donne 100 h est égal à 1100 moins 400 f. Bon, on a déjà fait des progrès. Et il reste encore une étape qui est, pour isoler complètement H, il faut diviser par 100 des deux côtés. Donc allons-y, quand on divise par 100 des deux côtés, ça veut dire qu'ici on obtiendra H, ici on obtiendra 11 et ici on obtiendra moins 4. Donc en fait, tous ces doubles zéros s'annulent, ce qui donne H est égal à 11 moins 4F. Voilà une équation qui est très pratique à avoir et nous allons voir ça plus tard. La prochaine étape que propose l'oiseau est de prendre h sous cette forme-là, h qui est égal à 11 moins 4f, et de remplacer dans cette expression, dans cette première ligne, où apparaissent h et f. Et tu sens bien qu'à ce moment-là, on aura h exprimé en fonction de f, donc il n'y aura plus que l'inconnu f dans cette équation. Donc regardons ce qui se passe. Réécrivons L1, 200 fois l'expression de h en fonction de f, qui est 11 moins 4f, plus 300f, est égal à 1200. Très bien, on a une équation où il n'y a plus que des f. Donc prochaine étape, on va développer cette expression. 200 fois 11 donne 2200. Moins 200 fois 4 donne moins 800f. Plus 300f est égal à 1200. D'accord, il ne reste plus que quelques petites étapes pour complètement isoler f. Donc d'abord, je te propose de faire moins 800f plus 300f donne moins 500f. Et en même temps, de soustraire 2200 de chaque côté, ce qui donne ici 1200 moins 2200. D'accord, faisons cette soustraction. On obtient moins 500f est égal à moins 1000. Ce qui donne finalement f est égal à moins 1000 divisé par moins 500. On a divisé par moins 500 de chaque côté. Ce qui est égal à 2. Alors là, voilà qui est intéressant. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, ce f égale 2? Bien sûr, c'est la solution que tu as trouvée par la méthode par élimination. Donc, la méthode par substitution marche tout aussi bien que la méthode par élimination. L'oiseau vient de nous montrer une méthode qui est équivalente. Alors, il reste encore une étape, et là, voilà que l'équation h égale 11 moins 4f devient très pratique.
Parce que maintenant, pour trouver h, il suffit de remplacer f par 2 dans cette équation et on trouve directement h. Allons-y, h est égal à 11 moins 4 fois 2, qui font 11 moins 8 et qui donne 3. C'est bien la réponse qu'on avait trouvée quand on avait résolu le problème pour le roi par la méthode par élimination. On avait trouvé que les femmes mangent en moyenne 2 paquets de chips à chaque fête et les hommes 3 paquets de chips.